Ça permet vraiment de placer le curseur de nos imaginaires dans une ville plus désirable qui pourrait être autre. En juin 2022, lors de son assemblée plénière ouverte au public, l'espace citoyen du Grand Annecy avait choisi d'aborder le thème « Faire territoire, c'est poser la question d'être ensemble ». Oui, mais comment ? Pour susciter les échanges, une experte du sujet, l'anthropologue urbaine Sonia Lavadino, avait été invitée. Elle a évoqué le thème de la ville relationnelle, une vision de la cité qui permet de valoriser au mieux notre bien-vivre. 30 000 jours, 4 000 week-ends. La conférencière débute avec un petit rappel. La vie, c'est l'écoulement de nos instants vécus, les uns après les autres. Ce temps est relativement court. En toile de fond, une question. Comment voulons-nous occuper l'espace représenté par ce temps ? Ce qui existe, c'est des espaces-temps. Ce qui existe, c'est des espaces qui sont investis par nos temps, par les choix que nous faisons de dépenser notre temps plus ici, plus là-bas, plus vite, plus lentement. L'aménagement du temps dans la ville est, de mon point de vue, beaucoup plus important que l'aménagement de l'espace. Nos agendas sont remplis de contraintes et d'obligations. Pour Sonia Lavadino, il est important de les réorganiser afin de privilégier les moments heureux, les partages avec nos proches, les loisirs. Il s'agit alors de reconquérir notre temps et de repenser nos déplacements. Quand on dit qu'on va reconquérir nos temps, ça veut dire aussi qu'on va opter pour plus de lenteur ou plus de proximité. Donc ça va re-questionner nos choix de mobilité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un paradigme du toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus rapide. Et le fait de se dire qu'on va reprendre le contrôle sur notre temps, ça permet de s'octroyer des espaces de respiration. On est plus dans une idée qu'on va retrouver un vrai sens à notre temps. Et c'est par le fait de réinterroger les rythmes de nos déplacements qu'on arrive à le faire. Faire territoire ensemble, c'est aussi évoluer dans des lieux sains, vivables et vivants. La présence de la nature apparaît comme essentielle pour le bien vivre. Elle contribue à diminuer notre stress. Son absence favorise le mal-être psychique. La dépression, par exemple, est fortement liée. Le contact avec la nature va beaucoup nous permettre d'avoir un esprit qui est plus apaisé, qui est en meilleure forme, qui est aussi plus productif, qui est aussi plus créatif. Pour avoir une bonne relation aux autres, tu dois avoir d'abord une bonne relation avec toi-même, avec ton corps en mouvement, et une bonne relation avec le vivant. Et si on a la chance d'être dans une ville qui a vraiment déjà beaucoup développé les espaces dans lesquels on se sent bien et on se sent bien avec le vivant, alors c'est plus facile aussi de se sentir bien avec les autres. Si la ville est nourricière, elle nous pourvoit en alimentation locale et durable. Elle est le lieu du tiers solidaire et de toutes les générations. Pour envisager sa transformation, elle doit nous permettre aussi de l'imaginer autre. La culture a alors un rôle particulier à jouer. Marcher en ville, c'est avant tout dans la tête. C'est pas forcément mettre un pied devant l'autre, ça tout le monde sait faire. Mais c'est est-ce que dans la tête on est prêt à le faire et est-ce que dans la tête on a envie de le faire. Et ça, c'est souvent le changement dans les imaginaires de la ville qui nous permettent de faire ça. Et la culture joue vraiment un rôle d'accélérateur. Ça permet vraiment de placer le curseur de nos imaginaires dans une ville plus désirable qui pourrait être autre. Et donc c'est pour imaginer cette autre ville ou ces autres villes possibles que c'est si important d'avoir recours à l'art. Une centaine d'habitants de l'agglomération assistaient à cette plénière. La conférence les a marqués. Ce qui m'a marqué, c'est cette approche humaine, c'est le fait de placer la relation avant la fonction. Pour moi, c'est basique parce que l'urbanisme, c'est trop souvent d'abord le béton et ensuite on fait tout rentrer dans les cases en béton. Non, c'est d'abord l'humain, d'abord les relations que les humains entretiennent entre eux et tout ça doit s'intégrer dans de quoi vivre, donc des constructions. Quand on entend aujourd'hui ce que dit la conférencière, alors sur des plus grandes villes, sur Copenhague bien sûr, mais sur la petite commune suisse à côté de Bâle qui faisait 20 000 habitants, on voit qu'il y a des exemples. Il y a des exemples pour se déplacer, il y a des exemples pour se rencontrer, il y a des exemples pour partager avec les gens, pour travailler. Il y a des choses qui sont à faire et que c'est ça que je retire surtout de ce soir. Enfin, pour tendre vers un territoire du Grand Annecy, à l'image de la ville relationnelle proposée ce soir-là, certaines pistes de travail apparaissaient comme évidentes. Il y a des gros problèmes de mobilité sur Annecy, des problèmes de priorité à la voiture qui sont à revoir. Donc je listerai premièrement la mobilité, hein. Deuxièmement,
l'urbanisme d'Annecy pour rendre Annecy plus accessible aux personnes qui souhaitent y habiter. Et puis le troisième aspect, c'est prendre en compte l'évolution du climat et le nourrir local, quoi.